Eh bien, bonjour, comment allez-vous? J'ai toujours le compteur qui bug parce que j'ai fait une vidéo qui ne dure pas assez longtemps. Comment ça va? Bonjour, vous êtes 54 viewers, assez incroyable. Comment ça va aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a une petite déception parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vol pour Starship SN11, malheureusement à cause de la météo, ni pour jeudi. Il y a toujours les TFR et les routes, enfin les fermetures de routes disponibles pour vendredi, mais vu qu'il n'y a pas de date de repli pour samedi et dimanche, puisque c'est le week-end et le comté ne veut pas fermer les plages au week-end, et surtout les routes de Boca, pour ne pas déranger la population, eh bien ils vont devoir, je pense, voler lundi, ou mardi, ou mercredi, ça sera, je pense, les trois cibles si la météo est convenable. Salut Olivier! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le live sur Starlink 22. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live de Falcon 9. Ça fait, je pense, depuis décembre, il me semble. C'est vrai que j'avais pas eu trop l'occasion. Et puis faire des lives à 9h, il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors là, il y a le confinement, enfin le confinement dans certaines zones en France. Donc je me suis dit, c'est un petit peu l'occasion. Mais c'est vrai que des lives à 2h du matin, je pense pas que ça intéresse vraiment des Français à ce moment-là. Salut Pascal! Donc, est-ce que, alors, dans le chat, dites-moi, bah, de toute façon, non, pas dites-moi, de toute façon, on va passer sur la control room pour parler de la Falcon 9. Hop, 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 hop. Donc, on va parler de la Falcon 9, ce fameux lanceur qui est réutilisable, comme vous le savez. Alors, moi, j'ai pas toutes les datas en tête, donc je vais prendre quand même le site, du coup, la page de la Falcon 9, pour vous parler de ce lanceur. Parce que, bon, les datas, si je dois toutes les retenir. Petit peu complexe. Donc voilà, ici on a un lanceur qui fait 70 mètres de haut pour vous donner une petite échelle. Super Heavy, bon, le Ben Super Heavy devrait faire 70 mètres de haut environ. Ben 1 actuellement fait 66 mètres de hauteur. Le diamètre est ici de 3,7 mètres, donc le diamètre est plus bas qu'un lanceur du type neutron. Et sa masse c'est du 549 000 kg et c'est assez lourd quand même. Donc on voit différentes parties, on voit le booster qui est le premier étage, c'est cette partie-ci qui revient sur une barge autonome ou sur une plateforme terrestre. On a ensuite l'interstage, le second étage, ensuite la coiffe. Alors on va déjà parler du moteur, c'est un Merlin ou un Merlin, et pour en savoir plus, alors le Merlin utilise du LOX, qui est le comburant, donc de l'oxygène liquide, et du RP1 qui est du kérosène en soi, du kérosène amélioré. Donc voilà, que dire de ce moteur? Eh bien, sa poussée est de 845 kN. Pour vous dire, un Raptor, c'est 2 méga-newtons. Donc le Merlin est moins puissant qu'un moteur pour un Starship, par exemple. Hop, donc ici, c'est un Merlin qui est fait pour la poussée atmosphérique, mais il existe aussi un Merlin qu'on appelle vacuum, donc un Merlin qui est destiné à la poussée dans le vide, mais c'est plus la tuyère qui est adaptée à la poussée dans le vide, et non vraiment le moteur, en sa totalité. Donc, comme je l'ai dit, on retrouve en fait ce booster qui est le premier étage. On voit les jambes d'atterrissage, et ensuite en dessous, on a cette architecture OctaWeb. On retrouve ainsi 9 moteurs, donc 9 Merlin qui sont utilisés. Donc à la fin, on retrouve finalement toujours ce premier étage avec l'interstage, qui est cette partie en fait entre les deux étages, nous donnant ces fameux grid fins qu'on appelle des ailettes en gris qui permettent en fait aux procédés aérodynamiques pour rediriger le booster par exemple. Oh donc, et bonjour Yataka, alors Falcon 9 ou Falcon 9, c'est si on le dit à la française ou à l'anglaise, donc voilà. Salut Yataka, j'espère que tu vas bien. Bon cours à toi du coup. Donc ici, on a l'interstage, comme je dis, avec cette zone de connexion entre les deux étages, avec les grid fins, donc ces ailettes en gris. On voit par exemple aussi sur Super Heavy, sauf que sur Super Heavy, les grid fins seront beaucoup plus imposantes. Logique, puisque c'est un plus gros bébé. Donc on trouve également le second étage, qui est en gros l'étage, enfin c'est l'étage qui va faire son parcours dans l'espace, comparé au booster qui lui revient ensuite sur Terre. Ici nous voyons ce Merlin vacuum, donc c'est ce Merlin à vide qui est destiné à la poussée dans l'espace. Et puis pour finir en beauté, on retrouve cette fameuse coiffe
qui permet d'envoyer aujourd'hui 60 satellites Starlink, qui appartient à la constellation Starlink, d'où le nom Starlink. On va voir ensemble le lancement d'une Falcon 9. Alors ici, vous voyez clairement toujours cette sorte de venting, et puis hop, allumage, décollage. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec ce booster, c'est son sixième vol. Oui, c'est vrai qu'il y a un morceau de fond vert, c'est parce que j'ai eu la flemme de sortir les autres. Donc, dans cette première phase, le lanceur va atteindre une altitude et une vitesse imposante pour franchir le Max-Q, sortir de l'atmosphère, et puis le booster se détache et revient petit à petit dans l'atmosphère. On arrive sur cette phase où on allume un moteur pour cette rentrée, pour freiner le lanceur, enfin du moins le booster, et puis on a ces jambes d'atterrissage qui se déploient pour venir atterrir petit à petit sur une barge autonome ou une plateforme terrestre comme ici. Aujourd'hui, on a le booster B1050, il me semble que c'est ça, c'est B1060.6, donc c'est son sixième vol. Il a volé sur GPS3 SV03, j'ai fait une faute d'ailleurs, Starlink 11, Starlink 14 et Starlink 18, ainsi que TurkSat 5A. Donc ce booster atterrira aujourd'hui sur la plateforme autonome qui se nomme Ossisli. Donc c'est une barge qui est sur l'océan actuellement. Ossisli, ça veut dire « Of course, I still love you ». Donc voilà. Est-ce que j'ai une autre image? Oui, donc pour revenir vite fait sur le procédé, on voit qu'on a le décollage, on a l'allumage de décollage, on prend de l'altitude, on franchit le Max-Q, on a la séparation du deuxième étage et du premier étage, on a l'extinction des Merlines. On a ensuite ce procédé où on fait un sort de flip pour revenir dans l'atmosphère. On allume, on déploie les jambes et puis on gère l'atterrissage. Et puis c'est tout. Dans un second temps, on a toujours ce second étage qui va déployer, qui va séparer en deux sa coiffe. Donc on a le déploiement de la coiffe, ou firing en anglais. Et paf, déploiement du satellite, ou aujourd'hui du train de satellite. Starlink aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Starlink. Starlink, l'objectif, c'est de proposer l'internet à haut débit via, en gros, le satellite. Vous avez en fait simplement à voir un routeur que je n'ai pas là ici. Non, c'est juste que je pense que l'image... Ah oui, j'ai plus l'image. Bon, ça s'est envolé. Mais en fait, en gros, vous avez un routeur qui est connecté à une parabole que vous mettez dehors. Et puis cette parabole est autonome et elle sait communiquer toute seule avec les satellites Starlink qui passent au-dessus de vous. Aujourd'hui, Starlink est disponible un petit peu de partout dans le monde, mais surtout pour l'instant aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et puis ça arrive en Italie. En Allemagne, ça a commencé à être déployé et nous on attend toujours le déploiement en France. Les précommandes ont été lancées en France. Mais pour l'instant, on attend les derniers contrats. Donc voilà. Aujourd'hui, Starlink propose du 300 Mbps par seconde, ce qui est absolument incroyable. C'est ce que ne fait pas l'ADSL ou l'ADSL, ou du moins la VDSL. Et attention, Starlink dans le futur veut viser les 10 gigabits par seconde dans le futur. Déjà, on parlait de 300 Mbps par seconde. Elon disait oui, vous allez avoir 300 Mbps par seconde en download, donc en téléchargement. En gros, à la fin de l'année, en fait finalement, les 300 on les a maintenant, alors que ça doit être à la fin de l'année. Voilà, pour l'instant oui, salut Gizmo, et effectivement j'ai précommandé Starlink, mais j'ai pas reçu le dernier contrat, en fait c'est par rapport au prix. Pour l'instant on sait que le prix d'abonnement est aux alentours des 70€, et ensuite par contre la parabole est aux alentours des 400€, il me semble, mais alors enfin la parabole plus tout le matériel. Beaucoup de personnes disent c'est cher, mais en vrai c'est le prix de ce type d'abonnement en France et en Europe. Donc voilà. Par contre après, voilà, c'est toujours le prix de l'abonnement qui peut faire un petit peu mal, mais après si les personnes ont des problèmes, enfin du moins ont des problèmes de connexion, c'est un énorme problème. Résolu. Et cette histoire des latences, bah pour l'instant les latences sont entre 30 millisecondes et 50 millisecondes, donc ce qui est plutôt potable. Et puis on ira sur des latences beaucoup plus faibles très prochainement pour arriver vers les pour arriver en dessous des 20 millisecondes et même frôler les 15 millisecondes. Donc voilà, en tout cas 10 gigabits par seconde, c'est quand on atteindra ce gap là,
sera mieux que la majeure partie des utilisateurs fibre. Donc voilà. Nous, on va. On a fait le tour en fait. Ah oui, il y a Taka entre 5000 millisecondes et 200 millisecondes, ça fait un petit peu mal. Pas évident pour jouer à Counter-Strike, comme on dit. Hop, où est mon... D'accord, il s'affiche pas. Ah zut, j'ai oublié de... Bah oui, j'ai oublié de mettre le décompte. J'ai dit c'est à 28. Donc on aura le délire de SpaceX, donc le live de SpaceX d'ici quelques secondes, enfin quelques minutes, excusez-moi, vers 9h05 à peu près. 9h05 environ, donc voilà, on a pas mal de temps à casser ensemble. Ah non, je vous ai pas dit une chose, attention. Alors vous savez que normalement pour la récupération de la coiffe, on utilise MS3 et MS Chief. Mrs. Chief qui sont deux petits bateaux, de petits navires qui permettent la récupération avec les filets. Par contre, aujourd'hui, Mrs. Tree et Mrs. Chief sont plus trop dans les parages. Et aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau. Alors, par contre, comment dire que. Alors, ce problème de. Hop. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Bon, bah écoutez, c'est toujours ce problème de capture de fenêtre avec les logiciels de capture. Attendez, je vais vous mettre ça ici. Hop, je cherche capture de fenêtre, c'est où? Hop. Hop, 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 je vous cherche ça, et puis on est content. Pourquoi je veux pas ajouter... Mais non. Comment ça les boys? Qu'est-ce qui se passe? Ajouter une source. Bah ouais, mais j'aimerais bien en fait, mais qu'est-ce qui se passe là actuellement? C'est un petit peu la catastrophe, on va dire. Attendez, je cherche, mais je comprends pas ce qu'il se passe. Compatible, bah ouais, mais ajoutez plutôt une autre source. Ouais, mais les gars aussi, vous mettez le bouton un petit peu trop loin, quoi. Non, c'est pas ici. Voilà, normalement c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ce coup à chaque fois. Hop, j'ai juste redimensionné ma fenêtre. Voilà. Alors normalement, si je passe ici, ça devrait s'afficher. Oui, voilà. Bon, ici vous avez Shelia Bordelon. Shelia Bordelon, it's. Bon, je vais parler en anglais, mais c'est un nouveau bateau de SpaceX. Donc c'est en location, voilà. Hein. On va limiter. Enfin, ils veulent limiter, je pense, les coûts en déployant seulement un bateau qui dispose de cette fameuse grue sur son pont principal. Pour la récupération de la coiffe, vous savez qu'une coiffe est composée de deux parties. Il me semble que un bout de coiffe c'est 3 millions. Oui, c'est un bout de coiffe c'est 3 millions. Ça fait 6 millions au total une coiffe. Donc c'est sympa de réutiliser une coiffe, donc de récupérer ces deux parties-là. De base, on était sur MS3 and Mrs. Chief qui arrivaient avec leur filet. Et ensuite, l'objectif c'était de se placer avec les filets pour venir attraper, du moins récupérer les morceaux. Sauf que, bon, on ne sait pas pourquoi, des instants ça fonctionne, des instants ça fonctionne pas, c'est un petit peu le problème, c'est une méthode assez artisanale, mais pas beaucoup de personnes le font. Et là, on a ce nouveau bateau qui arrive, qui est rose et bleu. On verra bien ce qu'il va se passer, s'ils vont déployer un sort de filet avec la grue, ou ils vont juste récupérer la coiffe, les deux parties de la coiffe, une fois qu'elle longe, au moins se mettre sur l'eau, une fois qu'elle touche l'eau. À voir, mais en tout cas, ce bateau rejoint la flotte de chez SpaceX. C'est assez sympa parce que pour rappel, SpaceX, c'est pas simplement des fusées, mais c'est également une flotte de navires. C'est tout de même un domaine assez intéressant à regarder. Aujourd'hui, on est avec Ossisley pour rappel. Est-ce que vous avez des questions dans les commentaires? N'hésitez surtout pas. Nous, on va passer en scène de waiting et puis. Tu t'en retourneras sur
Salut aux 102 personnes qui sont en direct, et comme d'habitude, si ce live ou cette vidéo vous plaît en fonction de quand vous regardez cette vidéo, ou enfin devant la rediffusion, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide le référencement comme on le dit souvent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à en mettre dans le chat, et puis j'y répondrai bien évidemment. C'est quoi la masse max que la Falcon 9 peut envoyer? Eh bien, en gros, on a différentes capacités pour en fait une Falcon 9. Par exemple, alors j'ai pas les dates exactes, mais je cherchais comme d'habitude, hein, de toute façon. Hop. Payload, yes, voilà. Non, ça c'est. J'ai pas la. Ok, je vais vous chercher ça. Bam. Vaut mieux. Alors, en orbite basse, vous pouvez envoyer. Attention. 22 800 kg. Ce qui fait environ 22 tonnes. Voilà. C'est tout de même pas mal. Donc, en LIO, vous envoyez 22 tonnes. En orbite de transfert géosynchrone. Vous pouvez envoyer 8300 kg, donc 8 tonnes. Et si vous voulez, si vous voulez envoyer je sais pas, un satellite ou une sonde vers Mars, c'est 4 tonnes. Donc voilà. J'aimerais bien avoir des nouvelles de mon Cybertruck. Bah, les Cybertruck, on attend toujours des nouvelles d'ailleurs. Et là, c'est toujours prévu pour aujourd'hui. Non, le vol Starship est décalé. Alors vendredi, mais j'annonce que ça sera certainement lundi. Il faut me suivre hein, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, vous avez toutes les actualités, ça permet d'avoir d'être informé à 100% des avancées autour de Tesla et SpaceX, mais aussi d'autres sujets. Donc voilà. A-t-on une idée où on en est le déploiement? Je m'explique, est-ce que la moitié... Eh bien, on devrait atteindre le déploiement final cet été, je pense. On devrait arriver... à 2000 des poussières en satellite. Alors je crois qu'il reste 6 ou 5 déploiements de Starlink. Ça fait plutôt 23 tonnes. À 22 800 kg, ça fait... on approche des 23 tonnes, mais on est quand même en 2800 kg. Donc on est plus aux alentours des 22 tonnes que vraiment des... Enfin, vaut mieux prendre la marge du possible que la marge de l'impossible. Parce que si vous envoyez 23 tonnes, c'est un petit peu mal avec le lanceur, quoi. Vous récupérez certainement pas le booster à la fin. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Oui, effectivement, en 2024, ils doivent envoyer Sphere X, donc une sonde de la NASA. Donc voilà, c'était juste une actualité comme ça. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Donc ouais, Starlink arrive à la fin du déploiement dans 5-6 des lancements. Et j'ai fait le calcul, on approche pour les déploiements Starlink à environ 480 Starlink avec un Starship. Ce qui est monstre. Donc on approchera du premier déploiement final, je pense, cet été, voire même un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il y a Starlink en Nouvelle-Zélande? Oui. Effectivement, il y a Starlink qui est disponible en Nouvelle-Zélande. Voilà. C'était d'ailleurs l'un des premiers pays, il me semble, à avoir le fameux Tibro qui s'est installé. Donc c'était la société d'écran de SpaceX pour l'arrivée de Starlink. Les causes de l'annulation aujourd'hui, c'est non. Bah, c'est la météo. Que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, c'est la météo. Les vents à haute altitude, à 10 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire 10 km d'altitude, sont beaucoup trop forts. Donc on n'aura pas de lancement, je pense, avant lundi, parce que même si vendredi c'est toujours d'actualité, il faut des dates de repli, ce que SpaceX ne peut pas avoir le samedi et le dimanche. Donc ça nous laissera un lancement la semaine prochaine finalement. Et puis voilà. Quelle sera l'équipe financière de SpaceX quand 5 sera déployé? Bah, déjà, il faut savoir que Starlink va mettre du temps à être rentable, parce qu'Elon Musk a dit. Et pour l'instant, à Austin, ils sont en train de créer une nouvelle usine pour la fabrication de matériel, pour essayer de rompre ce problème de coût. C'est quoi Starlink son objectif? Bah, c'est de proposer Internet à haut débit via les satellites, mais de partout dans le monde. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans l'Amazonie
Dans une Amazonie profonde, vous allez avoir internet à haut débit. Ou vous pouvez être aussi dans les airs, parce que SpaceX est en train de travailler avec l'armée de l'air des États-Unis pour permettre l'accessibilité à un réseau internet depuis les airs. Donc là, actuellement, c'est sur des bombardiers. Cet été, ils avaient aussi fait des tests. Donc SpaceX va permettre le déploiement de Starlink pour les bateaux et pour les avions, ce qui permettra à tout le monde d'être assez content lors des trajets en avion ou par bateau. Donc voilà, par contre, il n'y aura pas de déploiement pour les Tesla, ni pour les voitures, ni pour les bus. Elon Musk l'a dit, ça sera plus pour les véhicules beaucoup plus lourds. Et l'équipe financière, oui, pour revenir, c'est que Starlink va mettre du temps à être rentable. Mais d'après les prévisions, si on compte la capacité d'utilisateur, Starlink sera sera vite rentable, parce que finalement, Internet aujourd'hui, c'est un besoin de vie ou de mort carrément, parce que aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet et que vous êtes en télétravail, c'est un petit peu chaud. Mais elle décollera dans combien de temps? C'est-à-dire, la Falcon 9 doit décoller à 9h28. Par contre, pour le SN11, le Starship devrait décoller la semaine prochaine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, mais comment ils vont faire lorsqu'il y aura des lancements vers Mars et que les vents à haute altitude, à 10 000 mètres, seront trop forts? Mais il faut savoir que actuellement, le SN11 doit faire, vers 10 000 mètres d'altitude, des manœuvres assez particulières. Ce qu'il ne fera pas, en fait, lors des vols orbitaux, parce que ces manœuvres se feront avant l'entrée atmosphérique. Le problème, c'est que les vents peuvent perturber ces manœuvres, mais dans le futur, quand ils iront dans l'espace avec Starship et Super Heavy, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, même si les vents à 10 000 mètres sont forts, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Plus on monte, entre guillemets, plus on prend de l'altitude, plus les vents sont faibles, vu que la pression est basse. Des nouvelles pour la Falcon Heavy? Oui, le corps central pour le prochain lanceur Falcon Heavy a été testé à McGregor. Ils ont fait un allumage statique. Maintenant, on attend la suite pour voir une date pour ce lancement de Falcon Heavy. Que deviendra la Falcon 9 à l'issue du plan Starlink? La Falcon 9 sera encore utilisée pour d'autres missions, comme par exemple Crew 2, qui est la mission avec Thomas Pesquet pour envoyer des astronautes dans l'ISS via Crew Dragon, ou pour d'autres satellites et d'autres sondes qui peuvent être envoyées. Quelle sera la finalité du nombre de satellites? Je vais vous trouver le nombre exact, parce que ça a été communiqué récemment devant la FAA. Alors, les médias, la presse française et les politiques français parlent de 30 000 satellites, mais en fait, en réalité, le dernier chiffre connu de chez SpaceX, je veux dire ça. Je vais vous donner le chiffre. Je suis dans mes tweets récents et je vais vous dire ça. Ah oui, de plus, petite information, la NASA et SpaceX ont signé un accord pour partager des informations entre eux pour éviter des collisions. C'est-à-dire que les satellites Starlink qui effectueront des manœuvres autonomes ou manuelles afin de garantir la sécurité des satellites de la NASA ou d'autres acteurs, sachant que les satellites Starlink disposent de capteurs et de moteurs ioniques permettant aux satellites d'éviter des collisions avec... par exemple, des petits débris. D'ailleurs, en Gironde, la station est quasiment opérationnelle, donc c'est bon à savoir ça. Et puis, je vais vous dire ça. Il y a quand même des utilisateurs qui ont atteint les 400 mégabits par seconde. Hein. C'est pas rien, même 500. Je vais vous dire le nombre. Attention. C'était pas 2000, excusez-moi, c'est 1184 satellites à une altitude de 500 km d'altitude. Oui, j'ai déjà dit altitude, mais ouais, on approche très 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 doucement. Aujourd'hui, on est à Starlink, enfin, on va faire un calcul, on est aujourd'hui à Starlink 22. Il y a eu environ 23, parce qu'il y a eu Starlink V09. 1584 divisé par 60, c'est 26, bon on va mettre à 27, 27 moins 23, il reste en fait 4 lancements, donc il reste 4 lancements de satellites, du moins de Falcon 9 pour Starlink, c'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, on a celui-là,
on devrait voir, ils visent 2 lancements par mois, au moins. Avril, mai, c'est-à-dire que fin mai, on devrait avoir la totalité des Starlink à basse altitude, ou en orbite basse, en fin mai. Voilà. Aujourd'hui, non, SN11 est reporté à vendredi, mais ça sera plus lundi. Je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est impératif parce que ça vous permet d'être informé en fait de tout. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook, même on a un Discord, n'hésitez pas, c'est très important à rejoindre cela. Ne pas oublier d'ajouter un lancement pour compenser les satellites. Mais bah, de toute façon, les satellites défectueux, il y en a très peu, et le lancement supplémentaire que j'ai compté, parce qu'on était à 6,4, on le compte en 7, enfin on le compte avec le 7, donc finalement on arrivera à la fin du mois. Fin mai du coup. 26. Pourquoi j'ai mis 26 20, oui, 27 moins 23, oui, il reste 4 lancements. Donc on approche de ce fin, de cette fin avec. Oula, pourquoi en tendance Twitter il y a Bourdin? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bon, on va approcher de l'ouverture du stream, du canal. Comme dit Monsieur Macron, on a ouvert le canal. C'est notre référence, mais c'est autre chose. On est à 31 minutes avant décollage. C'est pas mal. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Liftoff. Liftoff, c'est le livre d'Eric Berger, ou Eric Berger. Berger, je ne sais pas comment le prononce. Si c'est la française ou l'américaine, ou en anglaise. Ça reprend l'histoire de SpaceX depuis les tout premiers lancements. C'est-à-dire qu'on parle même de la structuration du développement de SpaceX avec la Falcon 1, Falcon 1. C'est pas mal, j'ai fini le premier chapitre. Il me reste d'autres chapitres, mais je pense que je ferai une vidéo parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources, pas mal d'anecdotes. Ouais, je pense que je ferai une vidéo, alors pas une vidéo review vraiment, mais des vidéos de petites histoires comme ça se raconter. Parce que bah, finalement, alors je sais que c'est pas ouf parce que bah, le mec il a quand même écrit le livre et c'est sympa de le lire, mais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui le livre n'est pas en français. Donc si vous parlez pas trop bien anglais, bah, c'est assez contraignant. Et je pense pas qu'il sera sorti en français, vu que bon, c'est pas non plus ce qui est à la cote actuellement auprès des éditions, mais je pense que je ferai plusieurs vidéos sur les histoires racontées. Et donc là au moins on aura vraiment des belles histoires à se raconter, et je pense qu'on ira sur quelque chose de plus talk, de plus zen, et moins d'actualité, de « Oh mon dieu, c'est incroyable !» Donc voilà. Le nombre croissant de clients Starlink ne risque-t-il pas de faire chuter quelque peu les débits actuels? Non, parce que Starlink est fait pour ça, Starlink est fait pour avoir une communication entre satellites assez importante, c'est-à-dire qu'ils ont une gestion intéressante autour de la structure en fait de la constellation. Est-ce qu'on... Oui, non, on... alors normalement c'est juillet pour Falcon Heavy. C'est juillet, en juillet on devrait avoir un lancement de Falcon Heavy si cela n'est pas reporté. On doit avoir un tir en juillet. Donc ouais, pour revenir à ce livre, Liftoff, que veut dire décollage, c'est un beau livre. J'ai commencé à le lire, et puis ensuite, bah, si vous parlez pas trop bien anglais, c'est un petit peu complexe, mais si vous êtes sur un niveau moyen, je pense que vous pouvez comprendre pas mal de choses, et ça peut vous permettre de bosser votre anglais. Non, c'est vraiment quelque chose que je recommande, si vous êtes lycéen, collégien, ou même que vous êtes plus âgé et que vous êtes en train d'apprendre, du moins reprendre l'anglais. C'est un bon livre si vous êtes passionné d'espace, ou même de SpaceX, des lancements, pour découvrir plusieurs petites choses. La couverture est pas mal quand même, c'est un beau kiff. De base, j'aime pas trop lire. Enfin, du moins, j'aime lire, mais on va dire que le français et que les livres obligatoires à l'école ont fait absolument décrocher du plaisir de lire, et je trouve ça absolument ignoble, ce fonctionnement de lire des livres qui ne vous plaît pas, cette obligation de lire des livres qui ne plaisent pas, et après on se plaint souvent que oui, les français lisent moins. Bah ouais, mais si vous vous obligez aussi à lire des ouvrages qui ne sont pas du tout intéressants pour la personne, c'est sûr qu'on ne retrouve pas le plaisir de lire. Il y a des livres qui sont intéressants, d'autres livres qui... sont pas si intéressants en fait. S'il reste que 4 lancements, les lancements avec Starship sont annulés, bah ensuite on devrait avoir dans le futur d'autres lancements à plus haute altitude, mais ouais, pour l'instant Starship ne fera pas de lancement Starlink. Voilà. D'ailleurs, de base c'était 4000 satellites en orbite basse, c'était la target que l'on connaissait,
Et du moment maintenant, ça a été abaissé à moins de 2000. Voilà. J'ai aussi acheté, j'ai pas encore lu, mais le livre de Joe Biden, Promise Me Dad. J'ai pris en anglais, en français, parce qu'il sortait un petit peu plus tard. J'ai toujours pas lu. Et apparemment, il est bien. Donc, je vais le lire. On va dire que c'est toujours intéressant de savoir ce qui est le personnage, moi, la personne derrière un homme politique. Je trouve ça plutôt sympa, sachant que j'avais déjà lu le livre de Michelle Obama et de Barack Obama. Donc vraiment très intéressant. Ce sont des ouvrages avec beaucoup de savoir et beaucoup de, comment dire ça, de témoignages forts, mais de leçons et de choses à retenir pour ta vie. Après, c'est des classiques, les livres obligatoires. Ouais, mais clairement, après, je pense qu'aujourd'hui, le problème aujourd'hui de l'éducation en France, c'est qu'on est trop axé sur le passé. Sauf que finalement, même si à l'époque, avant les guerres, même si la guerre a toujours été là, mais avant la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale, même si on parlait de classiques, on a toujours cet effet de mémoire où il faut toujours se souvenir des guerres d'antan, le problème, c'est que quoi qu'il arrive, l'être humain ne sait pas corriger ses erreurs et retombe toujours sur les mêmes erreurs. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et les classiques, ouais, c'est très intéressant de lire des classiques, mais à un moment, si l'objectif c'est de faire aimer la lecture, ce qui est l'objectif hein, vraiment d'ouvrir les portes de la lecture, en fait, je pense qu'il faut juste proposer un cursus littéraire, enfin, proposer un cycle de lecture, et c'est, je pense, à la personne de se dire si elle a cette envie. Comme forcer une personne à manger quelque chose qu'elle n'aime pas. Vous avez vite comprendre que bon, ce n'est pas compatible. C'est un petit peu débile, je pense, d'obliger une personne à lire un livre qui n'est pas du tout son style, au lieu de l'inviter à s'intéresser petit à petit, au lieu de dire bah tiens, tu vas lire et t'es obligé de le faire. C'est totalement idiot parce que finalement, l'industrie du livre va perdre une personne, parce que si vous obligez une personne à lire, et ensuite, elle développera cette haine contre la lecture et contre les livres, ce qui est triste. Je pense qu'il faut... voilà, c'est assez complexe. Est-ce que SpaceX travaille sur la gravité artificielle? Bon, on n'a pas de data sur ça, enfin, on n'a pas d'informations sur ça, mais certainement. Par contre, on sait que Blue Origin, avec la New Shepard, avec la capsule, ils vont pouvoir faire une gravité artificielle pendant quelques secondes. C'est sympa pour les laboratoires... dans cette capsule. Tu connais The Expanse? J'ai maté la série, j'hésite à commencer. Ah non, je connais pas du tout. Je vais noter ça sur un bout de papier et je regarderai tout ça. Car sur Mars, ils auront besoin de ça pour vivre. Sur la gravité artificielle, bah, sur Mars, non. Enfin, franchement, la gravité de Mars se rapproche à peu près de la Terre, donc non. Après, c'est vrai que les voyages en Starship, c'est quand même assez long, mais récemment Elon Musk parlait de 3 mois au lieu de 6 mois, et il n'y a pas longtemps de 1 mois au lieu de 6 mois. Un mois, on parlerait plus sur une autre technologie de moteur et de réservoir. Enfin, on n'aurait même pas de réservoir, mais on sera sur une nouvelle technologie sur les lanceurs, du moins sur Starship, donc on verra dans le futur. Mais voilà, Mars d'ailleurs, l'objectif c'est d'atteindre Mars avant 2030, donc voilà. Ne pas lire sur Trump parce que j'ai 20 000 livres, et, enfin pour l'instant j'ai 20 000 livres à lire, et donc peut-être un jour. Je sais que Trump ça a été un homme d'affaires assez important. Est-ce qu'il y a des choses à retenir? Bah, oui, peut-être sur son, alors, pas trop sur son investiture par contre, mais plus sur son expérience dans le business. Why not? C'est vrai que les guerres sont à l'origine des fusées déjà, des lanceurs. Mais surtout, vous savez que la guerre est vraiment à l'origine de la démocratisation du plastique. Comme quoi, la Seconde Guerre mondiale est toujours en nous. Enfin, c'est surtout la Seconde Guerre mondiale qui a favorisé le développement du plastique, qui n'était pas du tout la matière favorite derrière les composants traditionnels. Donc il faut dire que le plastique s'est démocratisé à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est surtout après la guerre froide qui a aussi accéléré le développement des fusées, des lanceurs, et ensuite cette guerre, cette fameuse guerre spatiale, cette course à l'espace qui se sont développées. Aujourd'hui, on a cette course à la Lune qui se développe entre les États-Unis et la Chine, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce terme parce que c'est totalement différent,
Mais voilà, c'est toujours un objectif de fantasme pour la presse et pour le domaine, mais bon, voilà. 23 minutes avant le lancement, et on devrait avoir le flux disponible dans à peu près 6-7 minutes. Donc voilà, merci à vous de suivre ce live, on est 113, ça fait vraiment plaisir. Ça permet de voir que, voilà, faire un live alors qu'on est peu, hein, même si c'est matinal, il y a du monde, et c'est toujours un plaisir de faire des lancements de Falcon 9. Alors, la dernière fois, je crois que c'était avant-hier, lundi soir, il y avait un lancement de Rocket Lab, d'une Electron. J'ai pas pu le faire parce que j'étais pas chez moi. Du moins, comment dire que... j'ai deux maisons, enfin mes parents sont divorcés, donc c'est un petit peu le délire niveau gestion. Donc voilà. Oui, aujourd'hui l'objectif c'est de réutiliser le booster, mais peut-être qu'un autre jour je vais avoir l'occasion de faire d'autres lancements. Je vous avoue que lorsqu'on arrivera sur Tinewen 1, ce fameux rover qui devrait arriver sur Mars mai-juin, un live sera disponible, j'essaierai d'obtenir un flux, c'est très compliqué, mais je vais essayer d'obtenir un flux pour... faire ce fameux live, en couvrir cet événement, parce que je trouve que c'est très intéressant de couvrir ces événements de la Chine. Alors c'est vrai que la Chine lance beaucoup, mais beaucoup de fois par mois, voire même par semaine. Alors, je peux pas tous les couvrir, surtout que à des instants l'horaire est assez short, souvent vers 2h, 3h du matin, mais voilà. Et aujourd'hui, oui, j'ai déjà lu. Salut Nathan et salut Clear Gold. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc on attend SpaceX et puis voilà. Hier, on a fait j'ai fait un stream hier sur Twitch. Lamentable. J'ai eu des bugs de connexion, c'était chaud. C'était sur la map Ariane 5 et je suis assez triste. Je voulais rattraper les rushs et les rushs étaient de mauvaise qualité. Je voulais faire une petite compilation, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Est-ce que j'ai des choses à dire niveau vidéo? Vendredi, il n'y a aucune vidéo qui sort parce que je devais prévoir la vidéo sur pourquoi. Sur un récap sur SN11. Où ça sera la semaine prochaine. Ensuite, après la semaine prochaine, enfin l'autre semaine, on aura du trading sur Tesla. C'est-à-dire que. Le 2, on aura SN11, une vidéo sur SN11 cette semaine. Le 9, on aura Tesla. Le 16, on aura une vidéo sur SpaceX et les lanceurs utilisables. Et tous les acteurs, pour voir si vraiment tout le monde est en train de copier SpaceX sur les lanceurs utilisables. Et puis, on atterrira le 23 sur une vidéo, je ne sais pas quelle vidéo, mais je n'ai pas d'idée pour l'instant. Mais on verra bien. Peut-être, je ferai un sondage pour voir si ça vous intéresse de savoir comment SpaceX nettoie les zones d'atterrissage et du moins le site de Boca Chica après une explosion. Je ferai un sondage sur Twitter et Instagram. Et le 30, on aura cette fameuse vidéo un an et puis les 10 000 abonnés, bien évidemment. Est-ce qu'on a des news pour le Tesla Jet? Le Tesla Jet, c'est un projet qui doit arriver vers 2023, une annonce vers 2023 en fonction de la technologie. Mais sinon, on n'a pas plus d'infos. Donc ouais, on a pas mal de vidéos qui doivent sortir. Et ça me laisse le temps de finir le livre d'Eric Berger et de commencer à parler petit à petit des histoires. Alors, c'est vrai que la chance d'avoir le 20 avril, cette vidéo sur les lanceurs, les boosters et tous les autres acteurs, ça permet vraiment de parler de beaucoup d'autres choses. Outre SpaceX, mais vraiment de parler de startups chinoises, de Roscosmos, ou encore d'autres acteurs comme Rocket Lab. Dommage que les grandes puissances du monde ne travaillent pas ensemble pour avancer plus vite dans la technologie spatiale. Effectivement, mais après, ça permet de garder cette souveraineté nationale, en fait. Oui, maintenant, on peut payer sa Tesla en Bitcoin. D'ailleurs, je dois monter la vidéo du match short qui sortira normalement plus cet après-midi vers midi. Elle arrivera. D'ailleurs, la vidéo qui est sortie hier a plutôt bien marché. Je m'attendais pas à ce pic d'un coup. On est aujourd'hui... ça a beaucoup... Pour l'instant, elle a plus décollé que l'autre, qui est sorti la semaine dernière.
Alors c'est vrai qu'elle est assez courte, mais il n'y avait pas 20 000 informations dessus. Et puis, ouais, on a 7 000 vues sur l'affichage. On devrait être beaucoup plus via la plateforme. Non, c'est pas mal et je suis assez content de voir ça. Bon, franchement, ce format Quad 9 Avocat, ça permet vraiment de me poser parce que on va dire que la disposition d'avant était un petit peu catastrophique pour gérer les études et tout cela. Hop, moi j'attends. Les vidéos Starship, ça fait des vues, c'est fou. Ouais, ça marche pas mal parce que je pense que le YouTube français, en fait, enfin le YouTube français Starship, SpaceX, n'a pas cette information autour de ce sujet-là. Et souvent, les personnes se réfèrent à des vidéos d'actu de personnes qui ne s'y connaissent pas trop. Et qui donnent juste qui grossissent ses traits pour ne pas perdre tout le monde. Que moi, vraiment, l'objectif de Matt Avocat, de Quad 9 Avocat, c'est de parler à fond des sujets. C'est-à-dire, même s'il y a une poubelle qui change de place, eh bien, qu'on en parle. Super Heavy, ils vont tester comme SN6. Pour BN2, on devrait avoir des tests à haute altitude avec BN2. Voilà. Et pour BN2, il n'y aura pas de Starship dessus. Et pour BN1, on va avoir des essais au sol, c'est-à-dire allumage statique, enfin mise à feu statique. On devrait avoir des tests cryogéniques, des pré-burners. Et puis SpaceX lance le live. Intéressant tout cela. Je vais vous mettre ça sur le stream. Je vais juste trouver. Hop. Ok. Est-ce que c'est bon niveau son? Est-ce que vous m'entendez ou c'est beaucoup trop fort? Dites-le moi. Où en est le son actuellement? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ma voix... Est-ce qu'on entend bien ma voix? Ou est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que la musique est trop forte pour l'instant? N'hésitez pas à me le dire. C'est bon, un peu trop fort, baisse un poil, on entend, mais c'est un peu fort. Et là, est-ce que c'est bon? Parce que le temps que... C'est bon, c'est parfait. Ok, nice. Ok, 15 minutes avant le décollage. Le premier vol vers Mars sera vers 2024. Ouais, à voir s'ils veulent pas envoyer un premier cargo en 2022. On peut voir en 2024 un premier cargo, des cargos. C'est bon, bah super. Donc SpaceX va nous mettre leur petite intro. Et puis c'est pas mal. J'ai juste... Attendez. Juste écouter de mon côté ce que ça donne. Ah c'est bon. Génial. On est parfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur Twitter? Je regarde fait Twitter s'il y a des news. Actuellement, ils sont en train de remplir le lanceur. Tout ce que j'avais à dire. Merci Bernard, pas de souci. Il n'y a pas un record d'utilisation là. C'était la semaine dernière, c'était 9 atterrissages il me semble. Donc on aura un 10e vol pour la première fois. Donc on franchira cette première cible des 10 vols. On va voir si on peut aller aux 11 vols, mais ouais. On espère aujourd'hui une bonne réutilisation parce que ça sera du coup la 6ème. Là c'est le 6ème vol et on arrivera au 7ème vol. Ce lanceur, pour ce booster qui est le B1060. Si je ne dis pas de bêtises, effectivement c'est le B1060. Qui a volé sur GPS-3, SV-03, Starlink 11. Et Starlink 14 et Starlink 18 pour finir avec TurkSat 5A. J'arrive plus à parler, c'est fou. Hop, moi j'ai juste lancé un tweet sur Twitter pour vite faire déclarer et dire ouais les gars, on est en live. On est en live lancement dans quelques minutes. Hop, 13 minutes en lancement. Bim, je suis de retour avec le chat. Tu fais des super vidéos, merci Didi, merci à toi.
qu'on attend cette fameuse intro, et puis on aura le générique de SpaceX qui est toujours incroyable, je trouve. Et puis on va se régaler comme d'habitude. Alors maintenant j'ai vu qu'ils ont deux télémétries, ils ont la télémétrie du premier étage et la télémétrie du second étage. Alors que je trouve une place pour mettre ma petite tête. Bon, je laisse toujours le compteur, puis ensuite je l'enlèverai en fonction puisque SpaceX en mettra le compteur. Voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux si on peut voir ce train de satellite, donc le satellite Starlink 22. Enfin, le train de satellite Starlink 22. Voilà. Pourtant, faut voir si le booster va bien atterrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes 140 viewers. Merci, ça fait plaisir. Je pensais pas qu'on allait être autant à cette heure-ci, mais bon, on sait très bien que dans certaines zones, il y a un confinement. Tu sais comment ça se passe, l'accélération dans l'espace? Tu peux comprendre qu'on... j'ai cru comprendre qu'on pouvait faire vite fait avec un AVC. Hein? Vite faire un AVC. Alors c'est surtout que dans l'espace, le corps humain n'est pas habitué. Et la gestion sanguine est assez particulière. C'est-à-dire qu'il faut un entraînement déjà. Et le moment assez critique pour aller dans l'espace, en vrai, c'est vraiment le moment où on se prend pas mal de jets. Le corps humain n'est pas habitué à se prendre des jets. C'est pour ça qu'on a par exemple les exercices autour de la centrifugeuse. Alors les pilotes de F1 sont habitués à se prendre des jets, c'est leur travail. Les astronautes sont aussi habitués, par contre des civils sont moins habitués, mais d'après Elon Musk, pour les citoyens qui, pour les civils qui vont décoller depuis la mission la mission Inspiration 4, Inspiration 4, on devrait, attention, avoir des personnes, tant que les personnes supportent les roller coasters du type Incredible Hulk à Universal Studios à Orlando, ça passe. Donc voilà. Si vous résistez au Space Mountain, enfin, bon, aujourd'hui c'est Hyper Space Mountain de Disneyland Paris, ou avant un Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith qui était au Walt Disney Studios, ça devrait bien se passer. Alors après, si vous êtes des fous, que vous résistez au Silver Star ou à Shambhala, encore mieux. Silver Star à Europa Park et le Shambhala à Port Aventura sont deux B&M. Donc c'est le constructeur. Bonjour, il fait nuit du coup, et on est à Cap Canaveral, au pad SLC-40, et on va approcher petit à petit du refroidissement des moteurs. Est-ce que tout va bien au niveau du son? Et on a Andy Tran, c'est mon... J'ai bégayé, j'ai la gorge sèche, faut que je trouve de loin à un moment, mais donc c'est le superviseur de production des lanceurs. Shambhala Maurice. Bien évidemment. J'ai pas compris, mais ok. Du coup, on va arriver vers le refroidissement des moteurs. Donc, ils vont lâcher du LOX, donc le LOX liquide, dans les différentes. Dans la tuyauterie en fait des liaisons entre les réservoirs et les moteurs pour éviter d'avoir ce phénomène où ça peut choquer en fait certaines canalisations, parce que actuellement imaginons qu'on prend ceci, c'est à l'air ambiant. Okay, enfin, la température se rapproche de l'air ambiant. Demain, vous mettez de l'oxygène liquide à une température cryogénique, c'est beaucoup plus froid d'un coup. Hein. Donc, pour éviter que ça fragilise les moteurs, du moins la tuyauterie des moteurs, il faut d'abord refroidir petit à petit en laissant du LOX, puisque lorsqu'on approche de l'allumage et du décollage, le moteur est fait pour avoir, pour accueillir des ergols liquides qui sont à une température cryogénique massivement. Donc ça peut endommager sur le long terme les moteurs. Et pour information, Elon Musk avait dit que l'avantage du méthane sur le Starship, c'était d'avoir vraiment cette réutilisation qui était beaucoup plus importante. Une seule raison, c'est que le méthane permettait d'avoir ce phénomène où le moteur se dégradait moins grâce au méthane. Salut Zephyr, comment ça va? Donc le méthane, c'est un avantage, et on verra ça d'ailleurs sur une autre vidéo qui sortira dans quelques semaines.
Quand on approche de Stungeon Shield, et plus on va voir le bras qui va se rétracter, donc le lanceur qui va se détacher, détacher du pas de tir, ensuite prendre son envol. On approchera du startup, qui est le procédé du dernier décompte avant le décollage, où on s'assure que tous les paramètres sont ouverts. Oui, c'est vrai que je peux enlever le décompte. Merci, j'avais oublié celui-là. Donc on est sur le B1060, le booster qui a déjà volé 5 fois et on arrive sur un 6ème vol. And as I mentioned earlier, we are going to be attempting to recover the first stage on the drone ship that you see on screen right now. Donc ici on a la barge autonome Ossisley, of course I still love you, et on n'a pas de mouette, c'est pas mal. Donc ici on voit du venting, c'est, tout est normal, c'est de la condensation. Vu que la structure est froide et qu'on a de l'eau dans l'air, eh bien on a ce phénomène de condensation. L'air est, vu que l'eau dans l'air est beaucoup plus chaud que par exemple la structure en aluminium du lanceur. D'ailleurs c'est un alliage aluminium-lithium, pour info. On voit cette coiffe. Et on voit ces points d'accroche qui ensuite se détachent lors du déploiement de la coiffe. Yo Matt, pourquoi ils arrosent le pont de Cécile? Et bah franchement non, on ne sait pas. Alors peut-être c'est pour préparer l'atterrissage, pour avoir déjà un pont assez froid. Parce qu'il faut rappeler que les moteurs s'achauffent lors de l'atterrissage. Mais sinon, je vois pas trop de raison. Peut-être pour nettoyer des sortes de débris, mais encore une fois, on ne pense pas. Mais... Du coup, quand ils vont lancer pour la 10ème fois de suite le premier étage, tout dépend du temps de refresh. Mais il me semble qu'on devrait le voir revenir en mai ou en avril, je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous tiens informé. Mais ouais, le booster de la semaine, c'est la semaine dernière le lancement ? Il y a 2 semaines. Starlink 21. Bon. Dégagez les oiseaux ? Non, parce que de toute façon, les mouettes, il y avait déjà eu ce procédé d'arrosage bien avant que les mouettes soient là, donc ils sont quand même venus. On voit les paratonnerres qui sont présents, ce que Starship n'aura pas. S'il y a des algues, il peut y avoir un incendie. Effectivement, c'est vrai que des algues peuvent venir sur le pont. Et c'est vrai que pas con, Yataka. Sauf s'ils se sont donné une limite d'utilisation des lanceurs. Bah, ce qu'on sait, c'est qu'il peut aller au moins à 100 lancements. Et le premier gap, c'est 10, donc on verra petit à petit si c'est possible. Salut, Zan. Ah d'accord, donc on oublie Boca Chica, ils sont en train de parler de Starship. Donc, il nous parle de SN10 qui a réussi son vol. Dans les refresh, c'est surtout des contrôles en fait, de voir si les moteurs sont ok, s'il y a des choses à refixer, et si on les nettoie un petit peu sur quelques petits côtés, il faut ensuite le réutiliser. Donc là, il nous reparle de Starship SN10. Là, on voit, hop, Ben 1, le prototype de Super Heavy qui est dans le high bay. Et bientôt, là, ils sont en train d'installer le pont roulant pour l'assemblage des autres prototypes. Salut, Lucas. C'est vraiment intéressant d'avoir Ben 1 parce que l'objectif de Ben 1, c'est déjà de réussir les premiers essais, mais également de pouvoir tester les procédés de fabrication et d'assemblage. Au bout du 10ème vol, c'était la course révision. Ouais, il y a des choses à changer. Maintenant, il faut voir si SpaceX va réussir à garder des coûts bas pour la réutilisation au bout de 10 vols. Donc là, on va voir le bras qui va petit à petit se retirer et le lanceur sera totalement libre de pouvoir décoller ensuite. Là, on voit que les deux petits bras sont ouverts maintenant et petit à petit, on va le voir qui va s'éloigner. Salut Gilou. The transfer erector has a couple of jobs. It provides liquids, gases,
Donc on voit toujours ce venting qui est présent et on a on voit les lumières de la côte. Le lanceur est retenu par en soi par le par des petits loquets qui sont en bas. Donc voilà. Alors que par exemple sur Starship on a des loquets, vous avez le support, vous avez le pad. En fait en dessous, par exemple le support de transport, vous avez quelques petits pins, des loquets qui viennent en fait se verrouiller lorsqu'on pose le prototype. Et ici c'est un autre système de loquets qui est beaucoup différent et moins artisanal. Donc à 3 minutes, enfin dans quelques secondes on arrivera à la fin de remplissage des réservoirs. Salut Matt, salut les gars, Go SpaceX, Go Starlink, Godspeed, Bob and Dog, comme on dit. Mais du coup, va falloir dire tous les noms pour Crew 2 bientôt. D'ailleurs, un live sera disponible sur la chaîne pour couvrir le vol Crew 2 autour de Thomas Pesquet et de d'autres astronautes de la NASA et de la JAXA. Salut Mega. Et salut Mathis à toi, bienvenue à toi dans ce live. Eh bien, bienvenue sur ce live. Non, salut Terry, Terry, salut à toi. Non, j'ai pas reçu, bah pour l'instant on a même pas, j'ai même pas le contrat final donc voilà. Oui, le Starlink point US c'est pas cher et petit à petit le prix va baisser hein. Donc on approche du start-up. On va avoir le dernier feu vert en décollage. Salut, salut Fastwender. Et oui, j'ai déjà regardé D100 et bah, il me reste toujours à la dernière saison à regarder. J'attends qu'elle sorte sur Netflix. Les lancements de Falcon 9, à partir de combien de lancements, ça devient rentable? Alors rentable, c'est un petit peu difficile, par contre ça permet de réduire les coûts de lancement. Mais clairement, après un premier lancement, c'est déjà rentable quand on voit par exemple un lancement pour un satellite onéreux. C'est sûr, utiliser un lanceur, c'est surtout utiliser le procédé de réutilisation permettant de faire baisser les coûts du prochain lancement. Super Heavy atterri comme une Falcon 9? Ouais, à peu près, c'est ça. Sauf que là, on aura la tour qui permettra de récupérer le booster dans le futur. Donc on devrait ne plus avoir de pied vraiment sur le plan futur. Regardes-tu For All Mankind? Non, je connais même pas cette série, mais voilà. Et bien, merci à vous, vous êtes 269 viewers, et on va se concentrer maintenant sur le lancement. Les ordinateurs de bord sont opérationnels et maintenant on se dirige une minute avant décollage. Est-ce que le son est bon déjà? Je mettrai un petit peu plus fort tout à l'heure pour le décollage. Je vais me décaler pour la télémétrie. Je vais mettre ici. Falcon 9, Starlink, LD is go for launch. Salut Alexandre. And just over 30 seconds, all systems are go for launch. Tout est au vert et les systèmes sont prêts pour le décollage. Attention. C'est secondes avant le décollage. Système de déluge enclenché. Allumage et décollage. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 chamber pressure is nominal. Et c'est parti. Pression nominale dans le premier étage et on atteint. Ah, il y a pas mal. Il fait nuit. C'est un petit peu complexe à suivre, mais on voit que ce lanceur, ce booster commence à faire son travail pour emmener le second étage à une altitude pour le déploiement de ces deux étages. On va petit à petit gagner en altitude, on est déjà à 3,5 km, on atteint une vitesse fulgurante, petit à petit elle va augmenter.
Pour l'instant, du côté de la géométrie, tout est nominal. Et c'est un succès pour ce décollage, et on va se diriger vers le Max Q, qui est la pression aérodynamique maximale. C'est là où on a ce lanceur qui atteint une vitesse supersonique. Vehicle is now experiencing maximum aerodynamic pressure. Max Q confirmé, le boost, enfin le lanceur a atteint une vitesse supersonique. On est voilà, en train de dépasser les 2400 km par heure. Et on va arriver au Miko. Ils vont éteindre les Merlin et ensuite séparer le booster et le second étage pour approcher le déploiement de la coiffe. Voilà. J'ai pas regardé à quelle heure est prévu le fameux déploiement de satellite, enfin du train de satellite. Je vais regarder ça après. Donc, on aura de très belles images, de très belles photos qui arriveront sur Flickr. De toute façon, vous pouvez les retrouver sur Twitter, je les poste régulièrement. On approche du Miko, Main Engine Cutoff, ils vont éteindre les moteurs du premier étage. Et on voit ici une caméra, en fait en haut vous voyez le premier étage, enfin le second étage qui est au-dessus. En fait c'est une vue du... vous êtes en bas, là vous voyez, voilà, oh, on a une autre vue sympa. Donc Miko confirmé, déploiement confirmé, ouais. Hop, séparation des étages confirmée et allumage du vacuum, donc de ce moteur à vide. C'est confirmé et combustion confirmée pour ce dernier. Pourquoi pas de banque supersonique? On le voit mais on l'entend pas. Enfin, on l'entend sur place, par exemple lors de la rentrée du booster, l'atmosphère, par exemple. Alors ça c'est surtout la rentrée dans l'atmosphère, mais après c'est vrai qu'on entend ce banque supersonique quand on est sur place. Déploiement de la coiffe dans des coiffes séparées, ça a été confirmé. Donc dans quelques minutes, on va approcher de l'entry burn, donc de la rentrée dans l'atmosphère, où ils vont allumer un Merlin, donc le Merlin central, pour cette rentrée. Donc le vacuum qui est toujours présent, et moi en attendant, je vais regarder à quelle heure est le déploiement du train. 1h03 après, donc ça sera ouais, ça sera décollage 28, donc, ouais, à 10h31. À 10h31, on devrait avoir le déploiement environ. Donc on va passer pas mal de temps ensemble après. Ça va être fun. Il récupère encore la coiffe. Oui, bah là ils vont récupérer non pas dans des filets, mais plus d'une manière plus classique. Le signal a été établi apparemment avec le second étage. Et là, ça sera le Shella Bordelon. Il y a un nouveau bateau qui vient de rejoindre la flotte. Je ne sais pas s'ils vont nous faire quelques images d'ici quelques minutes. Mais ouais. Bonjour à vous, vous êtes 329, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et là, on attend la rentrée atmosphérique du booster, du premier étage. Le booster et le premier étage, c'est la même chose, hein, mais voilà. Ils font des lanceurs tous les jours ou quoi? En fait, ils ont un inventaire assez imposant de lanceurs. Et petit à petit, on a toujours cette phase de récupération, entre guillemets, mais de refresh, permettant de préparer les lanceurs au décollage. Mais c'est vrai que là, on est en train d'enchaîner les lancements, c'est impressionnant. Bah, lié ça, c'est des moments, c'est vrai que l'orbite basse, effectivement, il y a des manœuvres qui doivent être effectuées. Ce lanceur a déjà été effectué, ça fait... Bah, là, c'est son 6e vol. Donc voilà. Donc après l'entrée dans l'atmosphère, on aura le landing, donc on aura toujours ce même moteur qui sera en route, avec le déploiement des pieds d'atterrissage. Non, ce lanceur a été utilisé, là c'est son 6e vol pour lui. Tout à l'heure qu'on parlait du booster qui avait volé 9 fois, c'est pour la prochaine fois, c'est un autre lanceur. C'est le lanceur de la semaine dernière qui avait volé voilà, pour la 9e fois. Most satellites are in geostationary orbit at an altitude of about 36,000 kilometers.
Donc là, il nous parle vite fait du géostationnaire. Pour moi, la séquence la plus émotionnelle, c'est l'aile de l'atterrissage au premier étage. Ah, bah, effectivement, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, aujourd'hui, on a l'habitude de voir avec SpaceX, mais avant, on n'avait pas l'habitude. Hein. On va voir à gauche, vous avez la télémétrie du premier étage, du booster, et on va voir cette télémétrie, qui, enfin cette vitesse surtout, qui petit à petit... voilà. Là on a l'entrée dans l'atmosphérique, les Red Twins vont faire leur taf de freiner l'arrivée du booster, mais surtout on a ce moteur, voilà. On voit que la vitesse baisse significativement. Voilà, la vitesse est en train de chuter à gauche, tout est normal. Donc le moteur est allumé. On a toujours ces effets de... Hop, on éteint le Merlin. Et pour le moment, on attend l'arrivée du booster proche de la barge. Pour l'instant, tout est normal. Trajectoire nominale pour l'atterrissage du booster. Alors, pour information, les satellites Starlink disposent de moteurs ioniques. Il me semble que c'est au Xénon. Je ne sais plus. Je crois que c'est au Xénon. Il faudrait revoir. Qui sont alimentés. Donc, c'est capteur. Enfin, ce système est alimenté par les panneaux solaires, par exemple. Mais ces moteurs permettent aussi. Enfin, c'est des propulseurs et non on trouve des moteurs, mais ces propulseurs permettent aussi d'éviter les collisions avec d'autres engins. Non, c'est pas de l'argon. C'est bah justement, c'est alors Xénon. Il me semble vraiment que c'est du Xénon. Alors peut-être c'est de l'argon finalement. Je vais regarder ça. C'est du krypton, excusez-moi, c'est du krypton. Voilà. Et non du Xénon, c'est... Donc, allumage du Merlin. C'est du krypton. J'avais un doute, mais effectivement. Là. Atterrissage. On a perdu le signal. Effectivement, les vibrations... Et c'est confirmé. C'est confirmé, le booster a atterri. Voilà, on le voit et tout va bien. Donc le système de station de vol a été désactivé, donc on n'aura pas d'explosion ensuite. En sens, tout va bien. Réussite pour le booster qui fera prochainement un 7ème vol. Et oui, c'est vraiment c'est du krypton du coup. J'ai un doute. Sico, donc. Voilà. Donc le premier étage est sur la barge et son étage vient d'éteindre son Merlin. Et confirmation du Sico. Et maintenant le second étage va voyager quelques temps. Et maintenant bah, on va devoir attendre. Voilà. On va attendre. Ah, pardon, c'est pas ici. Voilà. Dans 52 minutes environ, on devrait avoir le déploiement. Oui, l'atterrissage du Super Heavy va être impressionnant avec la tour de récupération. Et on voit ce booster qui est là. Est-ce que je suis en 1080p. Hello à tous, on a combien de satellites actuellement au-dessus de nos têtes? Alors, hop, on va prendre ma calculatrice. On est à peu près à 1380 satellites, enfin, un petit peu moins, entre 75 et 80. Enfin, entre 1375 et 1380. Il reste, sans compter celui-là, mais il reste 4 lancements Starlink. Nicolas, bah si, on sait à peu près comment sera le système de récupération via la tour, mais maintenant à voir ce qu'ils vont nous donner. Salut Matt,
Quel va être ton rythme de publication de Quad 9? Ah, c'est une fois par semaine, parce que Quad 9, c'est une fois par semaine. Et si vous voulez les actus en temps réel, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou Facebook. Magnifique ce booster illuminé. Bah, salut Fastmaner et bonne journée à toi. Donc, déploiement des satellites à... Hop. Vers 10h. Pourquoi la liaison vidéo est coupée? Ben, en fait, je vous explique. On prend une caméra sur la barge. Il y a une caméra sur la barge qui, elle, est reliée à une sorte de parabole, à une antenne qui communique avec un satellite. Sauf que, vu qu'on a des vibrations lors de l'atterrissage, lors de l'arrivée, eh bien, cette antenne n'est plus, n'a pas une direction nominale pour communiquer avec le satellite qui, lui, envoie les informations à SpaceX. Et donc, le signal n'est pas reçu par le satellite. Par contre, on obtient souvent les images après, parce que SpaceX enregistre sur place, sur la barge, la vidéo. Mais le Starlink est Bixbox, le Starlink est actuellement opérationnel et petit à petit le déploie dans des pays. Après, c'est surtout administratif et logistique. Mais là, le service est opérationnel depuis l'été. Depuis l'été sur la bêta privée. Bon, après, on a eu la bêta publique aux États-Unis. Là, au Royaume-Uni, c'est déployé. En Italie, ça arrive. En Allemagne également. En France, les précommandes ont été lancées. Donc voilà. En fait, le service est déjà opérationnel. Et lorsqu'on parle de liaison entre satellites, c'est via laser et ils arrivent à atteindre les 100 gigabits par seconde entre satellites. Par exemple, imaginez que vous êtes sur la mer. Et bien, les satellites vont envoyer des informations pour que un autre satellite communique avec une station sol permettant d'avoir les informations reliées au canal internet. Bah, la coiffe actuellement est en train elle a dû déployer ses parachutes pour venir se poser dans la mer et être récupéré par le bateau Shaina Bordelon. Donc on a deux parties, on a une demi-coiffe. Alors une demi-coiffe c'est 3 millions de dollars, une coiffe entière c'est 6 millions. C'est simple, bien de la récupérer. Ah, on voit quelques seins de RCS qui sont en route. SN11 est décalé à vendredi, mais ça sera plus lundi, d'après mon expérience autour du lancement Aboka. Sam, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter ou Instagram, même à regarder les posts communautés, c'est là où il y a toutes les infos. Donc, en 48 minutes, on a le déploiement des satellites du train Starlink, enfin 2. Je regarde les prochains lancements, n'hésitez pas à me poser les questions. Je vais un petit peu baisser le son parce que la musique je suis assis ici, mais voilà. Regardez les prochains lancements qui arrivent pour SpaceX. On a Starlink 23 qui devrait décoller en mars, et puis on a Crew 2 le 22 avril. Je ferai un live. On a Sarah 1 qui décolle en mai. En juin, on a Transporter 2. Sirius 22 en juin. TurkSat 5B en juin. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cet été. Donc voilà. Oui, Starship décollera depuis Starbase ou Boca Chica pour un vol orbital, ouais. Tous les ans, on a des lérides au moins de fin d'août, septembre, je crois. Quelles sont les chances que ça tape un satellite? Alors, je ne sais pas, mais elles doivent être réduites. Hein. Enfin, je n'ai pas les stats en tête, mais... On peut déjà savoir que les satellites Starlink disposent d'un système anti-collision. Touk touk touk. Hop.
46 minutes, on va avoir passé du temps ensemble pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et est-ce qu'un sous-marin pourrait être opérationnel dans l'espace? Bah, il faut le réaménager un petit peu, mais il faut mettre une production d'O2 par exemple, un recyclage d'O2, surtout une zone de recyclage. Pour récupérer par exemple le carbone via les filtres en silice, il me semble. Mais sinon, oui, si on arrive à le lancer, par contre, il faut avoir un bon lanceur pour le lancer. Les RCS et Miniraptor, les Miniraptor devraient être. Les Miniraptor devraient s'inspirer des Super Draco qu'on voit sur la capsule Crew Dragon. Est-ce que l'expérience de la Crew Dragon permettra à SpaceX de pouvoir faire un Crew Starship? C'est totalement différent. Crew Starship et Crew Dragon, c'est totalement différent. Par contre, oui, il y a une certaine expérience avec la gestion de la NASA. Voilà, mais c'est totalement différent. Le vol avec Thomas Pesquet, c'est le 22 avril. Pour l'instant, ça peut être décalé de 1 ou 2 jours. Et le live est déjà planifié sur la chaîne YouTube. C'est pour SN11, c'est reporté à vendredi, mais ça sera plus lundi. N'hésitez pas à aller sur Instagram, Twitter, à me suivre. Tout est dans la description. Au niveau des systèmes de survie, vu que c'est hermétique, oui. Par contre, il faut faire attention à comment la gestion d'O2 sera. Il va falloir aménager certaines choses parce que un sous-marin, c'est différent d'une station spatiale, par exemple. Salut, Emile. Excuse-moi. Oui, c'est Emile. J'avais bégayé, mais non. Salut, j'espère que tu vas bien. Zephyr, bonne nouvelle pour la scène 11 également. Par contre, ça ne m'arrange pas. Le week-end, il n'y aura pas de vol parce que le comté dit non pour le week-end. Et vendredi, c'est peu probable parce qu'il faut toujours avoir cette zone de repli. Et avoir aussi les vents à haute altitude. En fait, je voulais faire les actualités à Boca, mais voilà. Ah oui, d'accord. T'as vu, il est désormais possible d'acheter des... Oui, avec du Bitcoin. Yes, je sais. J'en parle sur Twitter. En fait, toutes les infos... je suis informé de toutes les infos en temps réel. Et je les retransmets sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Ça vous permet d'avoir toutes les actus. Ouais, je ferai une vidéo qui doit sortir à midi, donc ça va être... Je vais devoir bien travailler là pour sortir la vidéo vers midi. Ce sera un match short. Là au moins ça va prendre du sens parce que le mat actus c'est un petit peu pas redondant, mais bon voilà. C'était toujours la même chose quoi. Pas besoin d'avoir. Twitter faisait bien le taf. Et puis les actus un petit peu what the fuck importantes chez soir un match short. Pour les remettre aussi sur TikTok et Reels d'Instagram. Voilà. On a 43 minutes à sécher. C'est compliqué. Oui, au début, Crew Dragon devait atterrir avec des propulseurs, les Super Draco par exemple, ou d'autres systèmes. Pour le moment, ça a été annulé pour une seule bonne raison, l'atterrissage dans l'eau. L'amérissage, c'est beaucoup plus simple que de venir le faire atterrir. Le lancement de, c'est pas SN10, hein, c'est SN11 qui est prévu pour la semaine prochaine. Enfin bon, hein, c'est reporté à vendredi, mais ça va être reporté à lundi normalement. Bah, le prix pour Starlink devrait, pour l'instant ça évolue à chaque fois. Le prix d'abonnement va peut-être chuter vers les, déjà 70€, il devrait chuter vers les 60-50 à voir. 50 ça reste plutôt abordable, et le prix matériel est aux alentours des 300€. Qui est dans les 300€ environ, c'est ce qui est dans la norme
en Europe et en France pour les, ce type de service avec les équipements, sachant que bon, les équipements Starlink sont beaucoup plus esthétiques que les paraboles classiques. Actuellement, le second étage est approche de notre pays. Et on voit notre belle terre. Merci à vous, vous êtes 146, incroyable. Et hop, et regarde ce que m'a dit la ref. Hop, je reviens sur YouTube. C'est long 40... Oui, c'est long. Désolé, mais hauteur autour de quel pays? Je ne sais pas. Enfin, faut voir la trajectoire. On verra dans quelques minutes. Bah, SIS2, ça devrait se faire. Bah, c'est le second allumage. SIS2. Devrait se faire, je pense, vers la Turquie. Ouais, non, plus vers l'Australie, je pense. À ce rythme-là. Ouais, mais enfin, je suis d'accord, mais est-ce que les opérateurs aujourd'hui, enfin, est-ce qu'aujourd'hui avec la, enfin, même pas avec la fibre, mais est-ce qu'aujourd'hui avec la DSL à 30 balles, voire même Orange c'est 40 balles, ça dépend. Est-ce qu'aujourd'hui ils vous donnent du 300 mégabits par seconde en download à leur campagne? Non, enfin, clairement pas. Oui, il n'y a aucune régulation des satellites en orbite basse, mais de toute façon, les régulateurs qui travaillent, par exemple, au CNES, il y a le shérif, le fameux shérif de l'espace qui gère ces documents-là et la régulation. Il bosse sur ce point-là pour donner aux administrations un point de repère pour réguler les satellites dans l'espace. Et en fait, Starlink répond à tout, système anti-collision, système d'information... Par exemple avec la NASA qui communique ensuite avec les autres agences. Possibilité de désorbiter le satellite. Oula, il y a eu un petit bruit là. Il y a un bip. Donc finalement, Starlink dispose de tout ça. Par contre, les autres constellations, elles, peuvent être un problème. Et quand on parle de constellations, c'est pas seulement les satellites du type Starlink ou du type Kuiper, mais plus aussi des constellations IoT. Par exemple, les fameux BIS, les petits satellites, les micro-satellites et les nano-satellites, ainsi que les CubeSats aussi. Internet devrait être gratuit. Bah non, parce que finalement, une entreprise n'est pas rentable. Enfin, Internet ne sera pas gratuit parce qu'il y a des dépenses énergétiques, il y a une sécurité du réseau. On a un réseau plutôt fiable en France, donc il y a des infrastructures aussi, donc voilà. Ah voilà, par exemple, Fabien, à La Réunion, c'est 52 euros avec 200 millisecondes. Alors le débit, on n'en parle même pas, quoi. Enfin, le débit doit être... la latence, ça n'a pas de rapport avec le débit, mais on comprend très vite bien qu'une latence à 200 millisecondes nous donne déjà un repère au niveau du débit. Amel qui se construit une 725 de 70 cm. Ah, ça serait sympa que tu me l'envoies sur Twitter ou Instagram. T'as quelques images à me faire voir, ça serait cool. Je te partage sur les réseaux. Il y a ta casse, c'est le capitalisme. Bah, après, c'est pas national quoi. Enfin, de toute façon, capitalisme ou non, si on devait avoir un internet public, c'est qu'il devrait être nationalisé. Et donc, de toute façon, les infrastructures, le staff derrière devraient être payés via les impôts, via les taxes, par exemple. Ouais, l'antenne, il y a un gars qui a fait un démontage de l'antenne, et c'est une technologie incroyable. On pense pas quand on voit la parabole, mais la parabole, technologiquement, est incroyable. Alors, je suis pas vraiment calé dans ce domaine-là, mais je vous invite à aller voir la vidéo. Vous mettez Starlink Hardware... Hardware test, et voilà, normalement la vidéo, on la voit bien.
Ouais, c'est sûr que les jeux en ligne, c'est compliqué avec 200 000 secondes. Personnellement, la DSL, c'est 2 mégas, l'enfer. J'ai une 4G box aussi chez Bouygues qui va être entre 10 à 30 mégas. Quand je pourrais avoir Starlink, je fonce. La même chose. Est-ce qu'on va avoir le rattrapage des... Non, on n'aura pas de vidéo aujourd'hui. Mais alors peut-être qu'ils vont faire voir une vidéo parce qu'on a le Shella Bordelon qui est un nouveau navire utilisé par SpaceX. Peut-être qu'ils vont te faire des images sur Twitter. On verra bien. Je vais vous faire voir quoi. Hop. Alors, je vais vous retrouver les fréquences de communication Starlink. En fait, j'ai juste allé sur le... Juste que je retrouve mon tweet. Faut juste que je parte. Non, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai juste allé sur le. Comment ça s'appelle? Sur l'ARCEP. Alors, j'ai quitté les commentaires, mais ne vous inquiétez pas. Je suis en train de voir Starlink. Voilà, hop, je vais prendre le PDF. Hop, PDF viewer. Je vais dire ça. Alors, espace Terre, c'est 10,95 GHz à 12,70 GHz. C'est-à-dire, espace Terre, c'est satellite, la Terre. Et Terre vers espace, donc parabole ou satellite. C'est 14 GHz, enfin entre 14 et 14,5 GHz. Voilà. Pour les bandes utilisées. Ça serait quoi en internet public? Ça éviterait les débranchements sauvages entre techniciens, entre opérateurs, niveau quartier. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le bordel avec les techniciens. La preuve avec plusieurs créateurs qui ont eu quelques problèmes avec ça. Tu fais quoi pour être autant calé sur le spatial? Internet, justement, est une bonne option pour s'informer. Il y a pas mal de vidéos, de documents, de tweets. Après, les seules grosses dépenses de Starlink restent les satellites qui sont alimentés par l'énergie solaire. Bah, après, les plus grosses dépenses de Starlink, c'est surtout la fabrication et le déploiement, en fait, des satellites. Et après, une fois que... C'est vrai qu'une le prix, après, le but de Starlink, après, c'est d'atteindre un prix plutôt abordable. Que ça passe même par la fabrication des satellites, donc enfin des satellites, mais également du matériel. Comme je disais à Austin, ils sont en train de créer une sorte de gigafactory SpaceX pour construire du matériel, que ce soit parabole ou modem, à Bakou. Je dis à Bakou, c'est pas en Azerbaïdjan, hein, c'est bien sûr à Bakou, baisse de prix. Hein. Le GP de Bakou, bien évidemment, ce fameux Grand Prix. Ah là là, dimanche, enfin vendredi là, c'est la reprise de la F1, je suis comme un fou. En plus j'ai commandé un G29 de Logitech, avant j'avais un volant, c'était un Trustmaster Spider Ferrari là, c'était nul, parce que j'avais pas de retour de force, et c'était pas ouf. Mais là, je vais avoir le Logitech, ça va faire du bien. Pour enfin rejouer à F1 parce que je vais donner mon volant Trustmaster Ferrari Spider là, à ma soeur, petite soeur qui regarde elle aussi la F1, et donc là je vais pouvoir m'y remettre. Je sens que je prends beaucoup de plaisir à jouer à F1 comparé à d'autres jeux, c'est autre chose quoi, ça va permettre de plus me poser.
31 minutes avant le déploiement. On va arriver au SIS2 et puis on aura le déploiement. Donc SIS2, c'est l'allumage. On aura l'allumage et normalement l'extinction. Du second étage. C'est collé. Et puis on aura le déploiement de ce dernier. On voit un pot de fond vert, c'est absolument incroyable. Ah non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Moi ça me bloque un petit peu mon planning, je voulais faire la vidéo, ouais j'ai la... Je sais pas, je vais la transférer sur le cloud. Oula. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, vous êtes 156 personnes, donc n'hésitez pas à poser des questions autour de la mission. 30 minutes, c'est long, hein. Oh. Ouf, ça va être loin. Ah, Rosine Bachot positive à la Covid. Elle a été hospitalisée. Bon. C'est possible avec les améliorations et les progrès de l'internet d'envoyer un message ou signal sur Mars avec rapidement que 8 minutes. Il faudrait. En fait, il faudrait des caps. Ouais, il faudrait passer par la technologie laser et encore. En fait, on devrait. Plus tard, peut-être qu'on pourrait avoir une constellation de satellites autour de Mars un jour. Et on verra. C'est encore quelque chose de différent pour le futur. De la communication vers Mars. C'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu complexe. Regardez les dernières images de Boca. Hop. SpaceX fabrique les Falcon 9, une partie de la flotte ayant été perdue. Fabrique-t-il des Falcon 9? Oui, il fabrique des Falcon 9. Et une partie de la... bien sûr, les boosters qui échouent leur atterrissage ou qui sont défectueux sont souvent remplacés par des autres. Qu'ils reconstruisent ou... par exemple, un booster qui était opérationnel pour la côte est, enfin la côte ouest des États-Unis, c'est vers en Californie, et maintenant venu, enfin qui a fait son transfert direction la Floride pour assister au lancement. Hop. Je comprends pas pourquoi on utilise encore le réseau téléphonique alors qu'on peut faire tout via internet. Surfer, appel par Instagram, Snapchat ou autre. Bah c'est aussi une raison où on sait bien que les agences gouvernementales de surveillance, des GSE, enfin des GSI, NSA et d'autres agences, l'avantage du SMS ou de l'appel c'est de pouvoir les tracer.
trouve ça bizarre que l'annonce de pouvoir acheter une Tesla en BTC fait payer inverse. Quand je changerai ma LR, je prendrai la nouvelle en BTC. Bah, en fait, au final, le problème aujourd'hui, c'est que le BTC est en pleine correction sur une 4 et elle doit corriger. Enfin, le cours du BTC est en train de corriger. Donc, on est sur un bull trap et on va devoir petit à petit retourner en dessous. km/h avec la sonde voyageur, cela est possible avec les fusées. Alors pour augmenter la vitesse des engins, il faudrait opter pour la... Pour, comment dire... Pour des moteurs à plasma. Par exemple. Des réacteurs. Qu'en penses-tu de la volonté d'Elon Musk de coloniser Mars? Alors ce mec m'a montré qu'une fois qu'il y a un grand visionnaire, mais il a vu sur Mars, ça me paraît... complètement irrationnel. Bah, en fait, SpaceX, c'est Space Exploration Technologies. C'est-à-dire que l'exploration d'espace, c'est de la robotique, c'est de la survie, c'est l'impression 3D, c'est de la biologie. Et SpaceX ne fait pas que des fusées, mais il développe d'autres choses qu'il ne nous montre pas, ce qui est normal. Ah, après, si tu parles de... Alors, oui, c'est sûr que les réseaux du type téléphonique, les réseaux fixes, c'est vrai qu'ils disparaissent, effectivement. Parce que aujourd'hui quasiment tout le monde a un téléphone portable. C'est plus pratique de se déplacer avec un. Avec le combiné et tout ça. Hop. On est 24 minutes avant le déploiement. Après, la CIA et tous les autres peuvent sûrement avoir accès. Oui, bah c'est sûr que la NSA, la CIA par exemple, ont accès à Instagram, Facebook ou Messenger. Il y a certains dossiers autour de ça. C'est pas très clair, voilà, juste c'est le côté transparent, c'est assez flou. En Chine, c'est très. En Chine, c'est régulé. Hein. Les réseaux sociaux sont très surveillés par les gouvernements autour de la gestion des données. Et il y a une certaine clarté, enfin, il y a une transparence. Oui, on peut dire qu'il y a une transparence entre les utilisateurs et les réseaux sociaux. En Chine, c'est obligatoire. C'est vraiment réglementé comparé à la France ou aux États-Unis. C'est un petit peu flou. Donc la Chine a vraiment bien contrôlé tout cela. Par ailleurs, justement en France, on n'a pas de réseaux sociaux vraiment français. Enfin, ouais, on n'a pas de réseaux sociaux français. On en a, enfin, populaire du style Instagram, Twitter, ce type-là. Quelle est la vitesse moyenne du Starship lors de la descente? Bah, j'ai trop trouvé ça parce que c'est pas quelque chose que l'on a officiellement. On va arriver au SIS-2. J'ai trouvé. Hop. Je sais qu'il y a des estimations faites par une personne. J'ai retrouvé ça. SN10, hop. Bon, la descente, simulation, hop, je veux dire ça. Autour de la télémétrie, hop, 2D. Vélocité, je cherche ça. Alors, lors du sort de Max-Q, alors on est
La chute est actuelle. Alors hop, chercher l'altitude au bout de... ici. Bah, entre la moyenne, entre par exemple le flip. Ouais, entre le flip et le belly flop, on passe de 92 mètres par seconde à environ 11 mètres par seconde. Et l'objectif, c'est d'atteindre ensuite les 0 mètres par seconde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin la dernière fois, SN10 a touché le sol à 10 mètres par seconde. SIS2, ça va être le procédé où on va, ils vont rallumer le Merlin quelques temps. C'est pour quand le vol du Starship? Bah pour SN11, ça serait plus lundi. Alors administrativement, c'est prévu pour vendredi, mais ça sera lundi parce qu'il n'y a pas de date de repli. On approche du SIS-2 et puis on passera au déploiement. Alors on est en dessous de l'Inde là actuellement. Ouais, on passera pas. Je pense pas que le SIS se fera vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Plus vers le bas de l'Inde un petit peu. On a perdu le signal vidéo avec le second étage. Ah, il est pas trop fatigué. Non, ça va, aujourd'hui ça va. Bon, j'ai pas bu donc j'ai la gorge sèche. Mais sinon tout va bien. Touk touk touk. Merci à vous, on est 145, ça fait plaisir. Et si vous êtes confiné, bon courage. Et puis voilà, moi j'ai rien à dire. Et si vous n'êtes pas confiné, bon courage quand même. Quelle est la durée de vie prévue dans Starlink? Alors, la durée de vie, on la connaît pas. Mais on va dire qu'elle est presque infinie. C'est en fonction. En fait, c'est variant. En fait, il peut se passer tellement de choses par un Starlink. Pour l'instant, ils ne connaissent pas le point maximal. Hein. Mais voilà. Et oui, il y aura plusieurs versions de Starlink. Prochainement, on a la version 1.5 qui devrait arriver, qui va améliorer les performances avec un système laser beaucoup plus intéressant. Voilà. Hey Nathalie. Paf, on arrive au SIS-2, le Merlin va s'allumer quelques temps et puis on voit que, bien sûr, les débris spatiaux des particules, on va appeler ça particules fines entre guillemets, vagabonde dans l'espace à cette altitude, aux alentours des 550 km. Je gère la chaîne, enfin je suis sur la chaîne, je suis étudiant donc faut gérer les deux. Pourquoi la Terre est représentée de façon ronde et lisse alors qu'elle n'est pas? Parce qu'on ne connaît pas à 100% par exemple les fonds marins, donc on ne peut pas représenter à 100% la vraie forme de la Terre. Excusez-moi. Attends, le SIS-2. Les océans, c'est l'une. Enfin, c'est des choses qu'on. Enfin, les fonds marins, plus précisément, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas 100%. C'est très mystérieux, les fonds marins. Ouf, on voit un morceau de polysirène, on dirait, ou... SIS, allumage. Puis... On attend si tout est nominal. Hopefully we get the video back of our second stage. Until then, we have an animation of where exactly the second stage is at around the Earth.
I am getting confirmation that we indeed have a good orbit. We have another coast phase before we deploy our next batch of Starlink satellites into orbit. During this time, the spacecraft will start to spin along its central axis, comme une orange, bien évidemment. Starlink satellites the momentum they need to space themselves out. Donc pour le moment, cela paraît nice. Donc on se retrouvera dans 16 minutes pour le déploiement du train. On est mercredi. Ça passe vite. Et le déploiement des satellites qui doit arriver dans quelques minutes, à peu près 15 minutes et 56 secondes, 55 maintenant. On voit ce train de satellites. Donc ça fait une grappe. Une grappe de satellites qui sera détachée du grand étage. Et puis on aura le déploiement petit à petit des Starlink. Donc on devrait avoir un déploiement un petit peu plus. Ouais. Plus bas, peut-être proche de l'Australie. Hop. Pour l'instant, il reste 4 lancements de Starlink à faire, sans compter celui-ci. Pour l'orbite basse. Donc on est sur 1380 satellites envoyés, enfin actuellement qui en comptant celui-là, donc on sera à 1380 satellites environ. Sur j'avais dit sur à peu près 1000 attention, hop. Non mais pourquoi j'ai ma calculette qui bug. Sur 1620. Donc 1380 sur 1620 satellites environ. Hop, on approche du déploiement des SAT dans 14 minutes. Selon moi, quand Starlink arrivera sur le marché, enfin sur les marchés, Elon Musk a déclaré quand le service Starlink sera rentable. Donc on faut attendre. Faudrait faire une. Faudrait voir combien il y a d'utilisateurs, fois le matériel, faudrait faire des calculs. Pour avoir une date à peu près. Bah oui, c'est sûr que Starship apporte. Peut apporter un déploiement plus rapide, hein, mais on parle d'environ 450 satellites. Il me semble que c'était 480 plus précisément. 480 Starlink via Starship. Oui, ça a déjà décollé. Hein. On est actuellement au déploiement d'ici 12 minutes. Le second étage, lui, est désorbité, c'est-à-dire qu'il revient dans l'atmosphère et se désintègre. Bah, en fait, on peut pas définir le meilleur lanceur parce que chaque lanceur a des différences. Enfin, les lanceurs ont tous des différences et ils ont pas les mêmes objectifs, donc c'est assez complexe. Ah, triste Sam. Donc ouais.
Oui, j'investis déjà, enfin je trade, c'est pas trop l'investissement, je trade sur Tesla, sur le Bitcoin, sur d'autres actifs, Gold, Disney, Nvidia, AMD, et d'autres. Ils vont devoir surtout réadapter un pad. Je pense pas qu'il y ait une norme d'atterrissage pour les fusées, pour les lanceurs. Je ne pense pas, parce que les micro-lanceurs c'est un petit peu complexe d'approcher sur du réutilisable. Surtout sur de l'atterrissage pur. Alors, pas de vraiment de réglementation sur ça. Hello Railstonecraft, comment ça va? 10 minutes avant le déploiement, et ouais, on devrait déployer tout cela en dessous de l'Australie. On va pouvoir enfin mettre fin à ce live après. Et puis ensuite je dois refaire le post pour les avancées de Starship sur Twitter et sur Instagram. Voilà, 10h23. Non, mon PC est un petit peu en retard, mais voilà. D'ailleurs, quelle heure est-il en France? Il est 10h21. Enfin, 10h23, excuse-moi. Pour revenir à la réutilisation, aux boosters, aux autres agences et aux autres acteurs du spatial, on en parlera très prochainement sur la chaîne, plus précisément mi-avril. Une vidéo a été faite pour ça. J'ai dû couper le son car j'entends pas car je travaille en regardant. Aïe, c'est pas grave. 8:26, et puis dans à peu près 10 minutes on va devoir pouvoir mettre fin à ce live qui était assez long, et ensuite je vais refaire aussi le petit programme là, le petit chapitrage. Il y a combien de vues sur la dernière vidéo? On a 7600 à peu près. Si d'ailleurs vous n'avez pas regardé la dernière vidéo sur les avancées de Starship, c'est disponible sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. On est environ à 8000 environ. C'est vraiment pas, ça donne tout plein d'infos, notamment sur le futur de Ben. Oui, Yann. On va voir ce déploiement proche de l'Australie. J'ai quoi comme micro? C'est un truc qui s'appelle Fifine. Voilà, c'est pas du tout une marque connue. Je pense que ce soit une marque, mais sur Amazon, c'était pas cher. C'était bon, on va le prendre. Hein. C'est vrai qu'il a un bon son, je trouve. Si tu veux savoir plus sur les réacteurs à plasma, la référence astronomique qui a fait une vidéo dessus. N'hésite vraiment pas à la voir. Je vais t'envoyer le lien. Si ça vous intéresse, hop, je vais vous envoyer le lien sur le chat. Non, pas il faut utiliser la référence. Mais attends, il est en live.
2 minutes et 37 secondes. On voit ce Merlin Vacuum avec le soleil en arrière-plan. On a le monsieur qui reviendra, je pense. On est actuellement aujourd'hui à 1380 satellites environ. Avec en comptant ce lancement-ci. Et l'objectif c'est les 1620, c'est-à-dire que dans 4 lancements sans compter celui-ci, on arrivera au. L'objectif. Quoique peut-être qu'on aura même pas besoin d'un Starlink. Ouais, peut-être qu'on aura pas besoin d'un Starlink 28, je pense. Ou 27, ouais, peut-être que une mission Starlink sera déployée, enfin les satellites restants Starlink sera déployé sur, ah oh, on peut parler, peut-être que les satellites Starlink restants seront déployés via ce Transporter One, cette fameuse mission de quaturage via le programme Rideshare Smallsat. Ah, bah des satellites, le problème des satellites, on a plein, hein. On parle de, on a des CubeSat, des MicroSat, des NanoSat. C'était beaucoup plus imposant, mais Google est dispo, et le problème c'est que des satellites, il y en a le nombre, enfin ça fluctue en fonction des satellites qui sont désorbités, d'autres qui arrivent dans l'espace, voilà. Pour l'orbite basse, ils avaient prévu 4400 satellites au départ. En plus, c'était soit un truc qui est communiqué par la presse, et l'orbite basse c'était 4400 finalement. 20 secondes avant le déploiement à peu près. Alors on fait un. Hop, on devrait approcher du déploiement. Quelques secondes. Eh bien, merci à toi, Georges, d'être là. Hop. Si un pays peut bloquer la douane, parce que si Starlink n'a pas de, en fait pour envoyer les modems et les paraboles, donc Starlink, le seul moyen d'accéder à Starlink c'est d'avoir la parabole et le modem, ni un pays peut bloquer, parce que pour déployer Starlink dans un pays il faut différentes autorisations d'utilisation de fréquence par exemple, mais aussi il faut mieux d'avoir des stations terrestres sur le pays en question, même s'il y a un système pour de laser spatial. On aura le déploiement dans quelques minutes. On voit la grappe de satellites. We're now coming up on deployment of our stack of Starlink satellites that you can see on screen. Let's listen to the callouts for payload deploy. It should be happening any second now. Starlink deploy confirmed. Déploiement confirmé pour les satellites. Voilà, le train de satellite Starlink est enfin déployé. C'est confirmé et on voit cette grappe qui s'éloigne petit à petit. On voit les antennes, on voit les panneaux solaires repliés. On voit pas mal de systèmes actuellement.
Et donc voilà. Eh bien, on va passer sur... Non, pas ici, excusez-moi. Bonjour, on est de retour. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, les liens sont dans la description. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de Quoi de Neuf à Boca, n'hésitez pas à aller la voir. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt sur Mars. Allez, bye!